Bonjour, je suis Carole, auteure du blog The Family Cocotte. Je suis ravie de te retrouver sur ce nouveau podcast de l'aventure zéro déchet en famille. Ensemble, allons plus loin vers le zéro déchet. Prenons conscience et apprenons à passer à l'action, à définir nos envies et nos véritables besoins, et aussi, bien sûr, mettre le doigt sur ce qui n'est pas nécessaire. Bien sûr, je t'accompagnerai dans la bonne humeur et tu peux aussi compter sur la communauté des amis cocottes que tu peux rejoindre sur Facebook, YouTube, Instagram et également Pinterest. Aujourd'hui, je vais te partager avec toi un article que j'ai écrit il y a quelques temps et ces lignes me sont venues lorsque j'étais toute jeune maman, que Malo était dans mes bras et que je me trouvais face à la mer. Je vais te conter une histoire. C'est une histoire dans un futur pas si lointain. Une histoire que nos enfants pourront peut-être connaître dans un monde réel si nous restons dans une inactivité du point de vue de la protection de l'être humain, de la protection de l'environnement, de la protection de notre futur. Maman, c'est quoi un poisson ? Cela s'est passé il y a maintenant plusieurs décennies. Mais tu sais, ce n'est pas si loin quelques décennies. Ça représente aussi la vie d'un homme. Petite, je pouvais me baigner, plonger et jouer dans l'océan. Le monde était si différent. La Terre était surnommée la planète bleue. L'océan était peuplé par un monde extraordinaire. Ce que tu vois aujourd'hui dans les livres existait réellement. Ce monde aux mille et une couleurs, ses mammifères marins, ses poissons, ses coraux, les paysages magnifiques ainsi que l'immensité ont toujours fasciné l'homme. Mais est arrivée une époque où l'homme s'est tout approprié, en pensant que seules ses envies devaient être satisfaites. Nous sommes des êtres égoïstes, ne l'oublions pas. Pas un seul moment, la question de l'impact de nos choix n'a été faite. On créait, consommait et jetait. L'homme a eu le choix. Mais seuls les dirigeants de grands pays décidaient pour la planète entière. Ils ne voyaient que par le profit, que ce soit de leur pays ou même d'eux-mêmes. Mais une chose est sûre, l'homme était menacé. Beaucoup de personnes voulaient croire à un changement. L'espoir de guérir notre conscience, notre planète, de la protéger. Elle était devenue si fragile, l'océan étant sa plus grande blessure. Car vois-tu, ce que l'homme ne voit pas, pour lui, ne peut exister. Ce grand bleu est devenu une énorme poubelle. Les déchets jetés au plus profond de celui-ci, à l'apogée de cette décharge à taille surhumaine, des continents de déchets se sont formés. Peu à peu, l'océan décida de ne plus le garder pour lui. Il décida alors de les regrouper et de les mettre à la vue de tous. Quelques hommes ont réagi, devenant protecteurs de l'océan, de la planète. J'ai connu cette époque. Si aujourd'hui, nous avons réussi à mettre des fragments d'océan en bouteille. Il n'en est de rien comparable à ce qu'il était. J'aimerais te dire que je n'y suis pour rien, que cette nature si bienveillante envers nous, nous ne l'avons pas détruite. Tu sais, j'ai comme beaucoup d'hommes consommé, jeté, jusqu'au jour où toi, tu t'es invité dans ma vie. J'ai pris conscience de la fragilité. La tienne, la mienne, celle des hommes, de notre environnement, de notre planète et de notre océan. Beaucoup encore à ce jour n'ont pas eu cette prise de conscience. Je pense souvent que c'est sûrement dû à une peur. Mais est-ce que finalement notre plus grande force serait de vaincre nos peurs? Et ces peurs ne seraient-elles pas liées à une peur de voir la fragilité de ce qui nous entoure,
à voir la fragilité de nos propres vies. Faisons de notre fragilité notre plus grande force. Partageons cette histoire pour qu'elle ne soit qu'une mauvaise hypothèse, une erreur de diagnostic. Pour demain et pour des décennies, je veux voir des poissons dans les océans et mes enfants pouvoir plonger et apprécier tellement cette sensation d'un être vivant libre. Je te retrouve la semaine prochaine. Abonne-toi à ce podcast, partage-le autour de toi, mets-lui des belles étoiles. Je te souhaite une très très belle journée, un bon week-end. Ciao !